Salut YouTube, nous voici sur une nouvelle découverte. Le jeu qui s'appelle, c'est un des nouveaux jeux que je fais, c'est Chasm. Évidemment, il y aura un let's play dessus. Donc, on vient juste de terminer Dust. Je suis quand même assez chaud maintenant pour me faire un deuxième Metroidvania dans la foulée. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Je pourrais pas en dire énormément parce que je l'avais testé à sa, je sais plus, je crois qu'il était en early access. Je l'avais acheté. Et il n'y avait que l'anglais, le jeu n'avait pas énormément de mises à jour et tout. Enfin bref, donc là l'expérience sera vraiment différente. En plus, il y a du français, donc, mais je ne pense pas qu'il soit doublé, donc je pense que je vais faire le doublage. Voilà, donc c'est un Metroidvania, un platformer. Il a été développé et édité par BitKid Incorporation. Et puis voilà, donc il coûte donc sur Steam, il coûte bon, on va dire en haut donc 17 euros. Normalement, c'est 16,79, mais bon, on va dire 17 euros, c'est plus friendly. Donc je vais pas. On se lance. On se lance tout de suite. Je lance le jeu et puis je vais juste couper le son vite fait parce qu'en général, quand je lance la première fois le jeu, le son est trop fort. Donc je vais vous éviter ce problème. D'accord. Deux secondes, hein. Je descends le son et je suis à vous. Voilà, bande son chiptune. Original, on va être sur du son original. Donc voilà, il faut juste que je le mette aussi en full screen, plein écran, voilà. Échelle 4, 5, je sais pas. Effet rétro. Ah! En vrai, ça change pas énormément, mais j'aime bien. Ça fait vraiment pixelisé. Ouais, non. Non, vas-y, on va pas partir sur le style rétro. Donc voilà, donc je vous lance l'écran principal avec ma caméra. Voilà. Et je vais voir déjà. Donc on va lancer la partie. Ah. D'accord. Gérer, je vais la supprimer tout simplement et je vais recommencer. Voilà, on va se mettre en difficulté élevée. Il y a facile, normal, difficile. La graine, d'accord. Donc c'est un monde généré aléatoirement, de ce que je comprends, vu qu'il y a une seed. C'est-à-dire que le monde est vraiment généré aléatoirement, donc on peut recommencer le jeu et avoir une partie totalement différente. Je lance. On va avoir une petite cinématique normalement. On va voir s'il y a les doublages. Codarts. Codarts, réveillez-vous! Je pensais bien vous trouver ici. Est-ce que regarder les chevaliers partir en mission vous endort? Ne vous en faites pas. Vous êtes la meilleure recrue que cet avant-poste ait vue depuis longtemps. Vous ferez bientôt partie des chevaliers Guildin et je serai encore ici à faire les commissions du commandant. D'ailleurs, ça me fait penser, il m'envoie vous chercher. Vous devez vous rendre au bureau du commandant Silxer au plus vite. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Il semblait encore plus impatient que d'habitude. D'accord. Nice. Donc je peux parler. Là, faut que je descende. Ok. Pas de dégâts de chute. On peut sauvegarder devant ces statues. Ah, tiens, c'est quoi ça? Agenouillez-vous devant la lumière des gardiens. Et vos actes seront enregistrés dans le tome de lumière. Leurs yeux trouveront toujours ce qui brille intensément. Ils se souviennent des actes de cette vie
et nous offrent une place à leur côté dans la prochaine. Laissez la lumière des gardiens illuminer votre chemin, et ils vous aideront quand vous serez en difficulté. Aephisl le Jeune. Ok. Oula. Je pensais qu'il sauterait... Mince. Je pensais qu'il sauterait bien plus haut que ça. Ah, d'accord. Il y a un dosage à faire avec la touche de saut. D'accord. On peut sauter plus ou moins haut. Alors, est-ce que c'est ici? Non. Là, j'ai grimpé dans une tour. Ça servait à rien. Est-ce que c'est ici? C'est quoi ça? Général Zilux Daffy. Ok. D'accord, là je suis dans la cour. Je pense pas que ce soit là qu'il faut que j'aille, mais... Tant pis. Tiens, là il y a un tapis. En vrai, suivons le tapis. Ah. Je me suis trompé de personne. Êtes-vous ici pour emprunter un autre livre? Souvenez-vous que même les plus puissants guerriers peuvent s'améliorer grâce à l'apprentissage. 114e jour de Luménote. 772. Deux recrues ont été surprises en train de parier. 10 jours de corvée supplémentaires pour les deux. 115e jour de Luménos. 772. Nous avons reçu un rapport indiquant que... Mince, que des bandits attaquaient les marchands sur la route de Delcats. Le commandant a envoyé les chevaliers enquêter. D'accord, donc il y a des bandits. J'ai pas de dash comme Dust ou quoi. Mince, j'ai pas sauté assez haut. Ok. Vous voilà! Entrez! Le commandant vous attend! Au repos, recrue! J'ai une mission pour vous. Il y a une petite ville minière à 3 jours de route vers l'ouest, du nom de Karthas. Ce matin, j'ai reçu une lettre urgente de la part du maire de la ville. Il affirme que les mineurs ont été attaqués par une bête sauvage alors qu'ils travaillaient dans les mines. Désormais, ils refusent de retourner travailler tant que le problème n'aura pas été réglé. Je sais que cette affaire peut sembler banale, mais nous dépendons de Karthas pour nous réapprovisionner. Comme vous le savez, j'ai envoyé les chevaliers en mission hier. Je n'ai donc personne d'autre vers qui me tourner. Vous devez vous rendre à Karthas et faire le nécessaire pour que ces mines reprennent du service. Je pense que vous avez ce qu'il faut pour devenir un chevalier Kildéen. Mais vous devez d'abord faire vos preuves. Vous avez bien compris? Vos ordres? Bien. Rendez-vous à l'armurerie et équipez-vous correctement avant de prendre la route pour Karthas. Bon voyage, recrue. Ok, donc je vais à l'armurerie. Waouh, votre première mission! Je sentais qu'aujourd'hui serait votre jour de chance. Faites attention en vous rendant à Karthas. Les tempêtes de neige sont dangereuses à cette période de l'année. Ok, déjà c'est pas ici. Hein. Lui va m'ouvrir la porte pour que je parte. J'ai pas de roulade pour l'instant. Ah, j'ai un dash mais en arrière, ok. XB ça fait la même chose. Ah, c'est sauter. Y c'est esquive en arrière. L'armerie. Alors, comme ça, le commandant vous a confié votre première mission. Vous aurez besoin d'une arme dans ce cas. Prenez une épée sur le présentoir. Assurez-vous d'avoir équipé votre épée avant de partir. Souvenez-vous de votre entraînement et tout ira bien. Ok, ça c'est la carte. Équipement. Ah oui, d'accord, je peux avoir deux armes. D'accord, tête, j'ai rien. Corps, ok. Ok, pour l'instant j'ai 9 d'attaque. Je suis niveau 0. Ok. Ça a l'air pas mal pour l'instant. On nous met bien dans l'ambiance. J'aurais aimé avoir un dash, genre pas qui recule mais qui avance plutôt. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Assurez-vous de n'avoir rien oublié. Une fois que vous aurez franchi cette porte, il n'y aura plus de retour possible. Ah ouais, on rentre dans le donjon généré procéduralement les gars. On peut plus revenir au château après. Vous en aurez besoin. C'est parti. C'est magnifique, hein. Oh.
dire que c'est du pixel art, quoi. Les montagnes derrière, il a dû avoir un taf, mais monstrueux. Ah ouais, c'est quoi là? Il en est à 2 jours, de 2 jours, une nuit? Peut-être 3 jours là? Parce qu'il a, il a fait 3 jours. Je suis où là? Je suis à Cartas. D'accord. Pour l'instant, c'est juste magnifique, hein. Je peux même pas encore dans le donjon et pourtant. Là, il y a quoi? D'accord. Cher Basden, pour une fois, je dois reconnaître que vous avez peut-être quelque chose d'intéressant à dire. La tribu que vous avez décrite dans votre lettre précédente semble être ancrée dans la réalité. Je ne peux pas en dire autant de vos théories fantaisistes sur le roi Trell. Je me réjouis de voir que vous avez enfin écarté ces hypothèses puériles concernant des forces magiques qui auraient fait basculer le roi dans la folie. Vous devriez concentrer vos efforts sur cette civilisation ancienne. Ce sera peut-être votre dernière chance de faire vos preuves. Cordialement, JP Magie, doyen d'anthropologie, Académie des sciences Guilding. Après, peut-être que tout ça, je pourrais le passer. Je vais regarder vite fait. Ouais, je peux les relire à la limite. Ah, par contre, il y a un coffre là. C'est intéressant, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Là, il n'y a rien du tout. Rien du tout aussi. Ok. Ah, peut-être qu'il y aura quelque chose plus tard. Je sais pas. Pour l'instant, il y a personne dans la baraque. Les portes sont ouvertes. C'est verrouillé. Je peux pas le casser? C'est quoi ça? Mine de Cartas, employé uniquement, interdit aux autres. D'accord. Donc faut que je trouve quelqu'un qui me donne l'autorisation, je suppose. Par la grâce des gardiens, un chevalier Gildane. Oh, vous n'êtes qu'une recrue? Enfin, j'imagine que je ne devrais être reconnaissant de ne plus être seul. Je suis JQ Cartas, le maire de cette ville. Et je suis le responsable des mines juste en dessous. Malheureusement, les mines sont de moins en moins productives, malgré tous nos efforts. Mon équipe cherchait de nouveaux gisements, mais elle n'a trouvé que la bête sauvage dont je vous ai parlé. Mais il y a quelques jours, la situation a empiré. En pleine nuit, une horde de créatures hideuses est sortie des mines et a saccagé la ville. Au matin, j'ai enfin rassemblé mon courage pour enquêter et j'ai découvert que la ville était déserte. Je vous en prie, vous devez trouver les habitants disparus et aider à restaurer Cartas. Prenez cette clé, elle ouvrira la porte des mines. Et n'oubliez pas de revenir ici si vous trouvez qui que ce soit. Si vous avez des informations concernant les allées et venues des personnes ci-dessous, veuillez contacter le maire immédiatement. D'accord, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnes à trouver, quoi. On est là pour chercher le village, quoi. L'heure des célébrations a sonné. Le centenaire de Cartas approche. Le 121e jour de Luménos, soit 772, nous nous réunirons pour célébrer le jour historique où JQ Cartas fonda la ville. Tous les habitants et les visiteurs sont conviés. Veuillez apporter un plat à partager et rendez-vous là-bas. JQ Cartas 3, maire de Cartas. Et là, juste là. Avis de recherche, Félix Faron et Drake Stricker. Le célèbre duo est recherché par le royaume de Gildea pour être jugé pour vol et piraterie. Ils ont été aperçus pour la dernière fois se dirigeant vers l'est, en direction des montagnes, l'Adorienne. Attention, ils sont tous deux considérés comme armés et dangereux. Si vous croisez leur chemin, veuillez contacter les autorités immédiatement. Ok. Peut-être qu'ils pourraient être des poteaux en vrai. C'est parti pour aller dans la mine. Donc, on rentre dans le donjon. Pour l'instant, évidemment, je vois rien du tout. Pas de monstre. Un interrupteur. Ah, il me faut une caisse ou un truc pour le tenir.
Ok. Ça va, c'est pas trop compliqué pour l'instant. Mince. Voilà pourquoi je voulais un dash frontal et pas en arrière. Ouais, il dash bien loin. Hein. J'ai déjà perdu la moitié de ma vie. Hein. Ça va très 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 vite. Faut vraiment. Les monstres, ça les empêche pas de venir. Hein. Oula. Mince. Je vais foutre le feu à la mine. Ah, mais j'oublie à chaque fois. J'ai pas l'habitude que le saut il soit. Genre, on puisse aller plus loin ou moins loin. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Là, il y a une caisse. D'accord, j'ai gagné de l'argent. Oh, je vais. D'accord, donc si je les frappe dans le. Mince. Si je les frappe dans le dos, je leur mets une critique, quoi. Voilà, par contre, c'est chaud. Hein. J'ai plus de vie. Faut que j'attende. Il va vite. Ok. Là, ça va être chaud. Hein. Eux, je les tue pas en un coup. Je leur mets. Je crois qu'il faut 4 ou 5 coups pour les tuer. Je sais pas où aller. Parce qu'en vrai, il me faudrait une nouvelle arme, une armure. Faut que je me fasse mon équipement. Faut que je monte de niveau aussi. Mince. Ce qui arrive bientôt. Et la mort aussi d'ailleurs. Yes. Il y a un truc à faire pour. Non. Artefact, c'est quoi ça? Inventaire, j'ai rien du tout. Équipement. Peut-être rien. Accessoire, rien du tout. 10, 9. Ah oui, d'accord. Du coup, quand on monte de niveau, on n'a pas de on n'a pas de points de compétence à attribuer. Par contre, j'ai l'impression. Ah oui, mince. J'allais dire que j'avais regagné ma vie en montant de niveau. C'est ballot. Ok. Pour l'instant, je vais à gauche. Pourquoi pas aller à droite pour voir un peu? Ah bah tiens. C'est parfait ça. En plus, ça me rend ma vie. Ok, je commence à avoir le timing. Eux maintenant je les one shot. Par contre si c'est comme c'est généré procéduralement, là actuellement je sais pas si. Tiens un coffre. Ah non c'est. D'accord. Faut que je le pousse pour pouvoir monter là-bas. Ok. Donc nouvelle mécanique de jeu à présenter. Le slime. Wow. Ok, je lui mets deux coups. Oh, je suis chaud. Je suis très très chaud. Ok, pour l'instant ça va. Les monstres sont vraiment faciles. J'essaye vraiment d'avancer. Mais prudemment. Ok. Mince. Ok. Ok. Encore de l'argent. Un bandana. Ça, c'est bien ça. Troll perceur. Alors, inventaire. Non, c'est équipement. Tête. Bandana. Hop. Plus de défense, moins de dégâts. Ok. Par contre, je suis allé très loin là. Il y a un moment donné, je vais me faire éclater par les monstres. Oula. Oh non, non, non. Il doit y avoir un truc pour faire de la lumière parce que là, c'est pas possible. Je vais pas dans le noir comme ça, moi. Pas dès le début du jeu. Aïe. Ça valait le coup. J'ai eu une pomme, tiens. Ça permet sûrement de.
de se redonner de la vie, évidemment. Oula, oula! D'accord. What? Aïe, faut pas sauter. La faute d'âge. Mais non! Pourquoi il a... Mais... Je fais n'importe quoi. Ok. Bon. J'ai fait n'importe quoi. En fait, ce qui se passait, c'est que je faisais... Tac, je faisais les attaques. Et au dernier moment, je faisais ça et Y. Donc je me suis... L'esquive, c'était foutu. Ah, yes. Bah déjà une personne. Merci pour votre aide. Je suis le professeur Basden de l'Académie des sciences guildéennes. Je suis arrivé à Karthas il y a environ un an et à la recherche des vestiges de la caravane du roi Trell. Pendant mon séjour en ville, j'ai appris l'existence d'anciennes peintures dans ces cavernes. À ma grande surprise, elles ont été réalisées par une tribu inconnue qui a vécu ici il y a près de 1000 ans. Je les ai surnommées les Ladori, en hommage à ces montagnes, et j'ai ensuite consacré tout mon temps à les étudier. C'est un peuple vraiment très intéressant, mais c'est leur disparition soudaine qui a attisé ma curiosité. Mon travail se déroulait sans accroc, jusqu'à ce que quelque chose se faufile derrière moi et m'assomme. Je pense que nous gagnerions à découvrir pourquoi des personnes disparaissent d'ici et continuent à disparaître. Le dernier endroit où les mineurs ont travaillé était l'étage inférieur. Nous devrions donc commencer là-bas. Venez, ensemble nous pourrons ouvrir la porte qui donne accès au niveau inférieur des mines. D'accord, donc je viens de commencer, je suis allé à gauche, j'ai trouvé le mec direct. Et ça, c'est vraiment de la chance, hein. Parce que c'est vraiment full aléatoire, donc... Oh, j'ai 2 HP. Ah ouais. Ça s'est pas joué à grand-chose, hein. J'ai même plus ma barre d'expérience, là. C'est-à-dire que je sais pas dans combien de temps je level up. Là, y a... Ah oui, d'accord, on peut... Là, je peux aller... C'est un TP. C'est quoi? C'est un raccourci que je viens d'ouvrir. Je ne sais pas du tout ce que j'ai pu faire. Ah mais attends, mais... D'accord. Ah, c'est un hub. Ah, je crois que c'est un hub. Je suis pas sûr, mais... En gros, pour ceux qui comprennent pas, un hub, c'est une zone... Voilà, regardez. Là, il y a d'autres portes. En fait, c'est une zone où tu peux te téléporter n'importe où, dans n'importe quelle zone du jeu, très rapidement. Et là, vous voyez, elle est fermée. Ça doit être l'entrée de la mine, je suppose, ou en tout cas pas très loin, donc elle est ouverte. À droite, elle est fermée, il y a de la pierre. Et il faut trouver, en fait, ces différentes zones pour pouvoir accéder rapidement aux autres. Donc là, je reviens où j'étais, hein. Je vois pas pourquoi... Donc j'ai déjà tout visité ici. Ici. Il y a un truc important dans le noir, mais le problème c'est que moi je sens qu'il y a des pics, je vais mourir. Je peux rien voir, j'ai pas de lanterne. Ok. Faudrait que je m'entraîne à esquiver parce que ça va vraiment à un moment donné être nécessaire. Je me souviens d'énormes guerriers quand j'avais joué avec des épées gigantesques. Super. Je suis pas dégoûté. Super. Ah, quoique, hein. Ah, d'accord, la barre d'XP apparaît seulement quand on tue un monstre et qu'on gagne quelques points d'expérience. Ah, j'ai pas sauté, du coup, je me suis fait pénaliser. Faut que je fasse attention. Ok. Je suis pas trop mal. Là, on voit un dessin. Concrètement, ils me disent va à gauche, à droite, tout le monde est mort. Ok.
Ok. Aïe, 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 aïe. Ouais, mais non, mais aussi. Sérieux. Game over. Donc, comment ça se passe, le game over? Niveau 3. Ouais, donc en fait. Ok, là, je suis dans le hub. D'accord. Donc, c'est vraiment punitif, hein. Si tu meurs, tu meurs. Voilà, il n'y a pas de. On retourne. On retourne à la vie tranquillement. Oh là, oh là. Attends. Je commence déjà à faire n'importe quoi. Non mais. Ok. 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 C'est les chauves-souris qui vont me poser problème, hein. J'ai loupé. J'ai perdu 5 PV, c'est énorme. Là, je suis ici. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de ressortir de la grotte? Je sais pas, ça va m'apporter quoi de ressortir. Après, je peux aller jusqu'à la sauvegarde et puis visiter l'autre partie d'en haut. Oh, mais non. Ok. Ok. J'ai bientôt level up. Je pense qu'il faut quand même il faut level up tranquillement avant d'accéder à d'autres parties de la grotte. Je vais sauvegarder histoire de reprendre ma vie. Les mécaniques de jeu sont vraiment excellentes, hein. Par contre, c'est un peu en mode Dark Souls, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tu te loupes, t'es puni bien plus que puni, quoi. Hein. Ok. On va se faire les petits d'abord. Ah, mais j'ai pas le choix, là. Ok, lui, je le tue. J'aimerais bien savoir à quoi me servir l'argent, parce que j'ai... Mince, j'ai déjà 50... 100, mince. J'ai déjà 150 d'argent. En vrai, bien joué, ça peut aller vite, hein, dans le jeu. Parce que regardez, si. D'accord, elle me tombe dessus. Ça, j'étais pas au courant. Donc une page. On les lira une autre fois. Donc tous les mobs y réapparaissent. De toute façon, je les one shot. Oula, oula, oula! Ah là là, c'est terrible. Ok. Je vais remonter, hein. Je vais voir si le gars il peut m'aider. Ok. Je vais voir si on peut faire quelque chose de l'argent. La brasserie. Donc, je reprends 30 PV. Est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? Non, il n'y a personne. Ils sont en train de faire une boum à l'intérieur ou quoi? Non, il est encore en train de dormir, il n'y a rien. Rien de plus. D'accord, et carrément un ballon. Ah, je suis revenu, mais de l'autre côté de la ville. D'accord. Donc c'est une boucle.
Ok, donc faut que je retourne dans dans la grotte, tout simplement. Je pensais qu'il serait au moins dans la ville, le gars, tu sais. Non? Ah, d'accord. Donc il aurait fallu que j'aille dans le hub de l'autre côté et que je revienne au centre pour pouvoir libérer cette zone-là. Après, bon, je vais sûrement retrouver une autre porte hein, assez rapidement, je pense. En bas, il y a quoi? Il n'y a rien. Ah bah tiens, il est là. Restez ici un instant pendant que je bloque la porte. Ça devrait faire l'affaire. Maintenant, suivez-moi. Nice. Il était là, du coup. J'ai eu raison de revenir. Par contre, 4 coups pour les rats, je me sens un peu abusé là. Aïe. Mais non, mais il reste sur moi quoi. Un lingot de fer. Ça sent le crafting un peu, hein. Ok. Pour l'instant, ça va. Ah ouais. Je vais aller là, on va voir. Ah. Ça, c'est du loot que je peux pas ignorer. Le grider en moi me dit qu'il faut y aller. Ouais, d'accord. Est-ce que je peux vraiment réussir? Wow. Ça m'a l'air super chaud, hein. Faudrait que j'ai un double jump, non? Ah non, faut que je passe là. On peut vraiment agir très rapidement. Ok. Non, 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 non. Comment c'est possible? Je crois que j'ai mal dosé le saut. J'aurais dû doser à fond et... Ou alors j'ai touché... Ah bah non, je touche le plafond. Donc je peux pas sauter quand je suis en haut. Je peux sauter que quand je suis en bas. C'est ça. Ah! Mais c'est pas vrai, je vais mourir. Pour des bêtises en plus. Après, si je l'ai, je peux repartir facilement, mais... Enfin, je crois. Ok. Mais non, mais c'est pas vrai, mais je suis trop nul. Faut que je revienne. Faut que je me casse et que je revienne. Ah, le premier test d'agilité, c'est déjà foutu, quoi. J'ai déjà perdu, quoi. Ah, là, par contre, je me prends un coup, je suis mort. Je vous le dis. Donc, je vais jouer ma vie. Je vais aller sauvegarder un coup. Et, allez. Ok. On essaye de frapper à max range. Parce que 8 PV, j'ai un peu peur. Donc je vais remonter au village. C'est pas grave, je referai le chemin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la pause de VOD ici. La découverte, bon bah voilà, et vous avez pu découvrir un peu le jeu, etc. Donc c'est pas mal. Je me remets en discussion vite fait. Voilà, donc YouTube, voici Chasm, ou Chasm, je sais pas trop comment on le prononce. Et c'est un gros kiff. Moi, je vais partir en let's play, là, je vais jouer encore peut-être 1 heure dessus. Donc vous aurez évidemment la suite avec la découverte. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et bonne journée, à la prochaine.